Bonjour à tous, c'est Lulua. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tales of Rhaenyra. Aujourd'hui, on va faire encore quelques scénarios. Donc, sans plus tarder, on va directement aller dessus. Ça va être plus rapide que la dernière vidéo qui était quand même assez longue. On va en faire quelques-unes des leçons d'équitation. Ok, donc on va marcher un petit peu. Spot est vraiment talentueux pour faire du saut. Les chevaux qui ressemblent à Spot sont qualifiés de chevaux dans le sang. Donc là, en fait, elle explique qu'un cheval qui est dans le sang, comme on dirait en français, il va avoir l'avantage d'accélérer rapidement en compétition, alors qu'un cheval calme, va falloir aller lentement. Il va prendre plus de temps à accélérer. Par contre, c'est pas très relaxant de monter un cheval un cheval un peu chaud. Ok, on va sauter un petit oxer. Oh, on commence avec un enchaînement beaucoup plus gros là. Oula. Je me fais sauver par mon cheval, mais dis maman. Ça veut dire que je prends pas bien l'obstacle, mais on s'y attendait un peu. Oh! Ah, trop de choses à gérer! Je reste au petit galop. Ok, donc vu que j'ai pas réussi, on va refaire. Ok, le but c'est d'aller au galop de travail, de tapoter S pour ralentir Spot. Hop là. On va continuer. Quoi? J'ai pas compris. Bot qui bot. Ah! En gros. Mets des jambes pour qu'il saute le soubassement. En gros, c'est ça qu'elle dit. Ok. Yeah. Ok. En fait, j'ai pas compris. One eternity later. Ok, il faut maintenir ses jambes en fait. Ah, c'est une course. Ok, ok. Oui, Spot m'a sauvé. Ça veut dire que j'ai un bon poney. Là, on va le laisser. Je me suis trompée de jambe. Tourne, poney. Hop. Là. Ok, là on met des jambes. Oh, on saute haut, on saute haut. Ok, là on met. Ok, bon, je me suis pris un refus, tout va bien. Allez, un peu plus vite. Ok, jambes. Voilà. Et c'est fini. Bon, je pense. Ah bah elle a dit que c'était bien. Ok. Donc ça c'est parfait. On va direct enchaîner enfin une deuxième. Et on va se quitter là-dessus. Comment ça va dans ce magnifique matin? Oh, c'est un nouveau cheval. Un peu trop avec Rose, le petit galop. Ok. On va faire quelques figures.
faut la suivre. Oh, on est dehors. Ok, faut aller au grand galop. Elle aime le saut. De quoi faire du saut, je crois. Ouais. Ok, il y a écrit que c'est une course, donc je suppose qu'il faut y aller au grand galop. Ah. Je me suis complètement fail. Je vois pas venir s'effouler. Ok, ok. Ih ! Olé. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle m'a pas sauvé. Je sais pas si ça apparemment s'est passé. Ok, on va réessayer. On va y aller au petit galop. Du calme, Rose. Tu vas pas avoir le temps de sauter sinon. Ah. Ouais, mais celui-là en même temps, il est pas très gentil. Ok, fallait mettre ses jambes. Ok, j'ai compris. Ok, elle a besoin. Quand, dès qu'il y a des bas, il lui faut. Ah. Mais elle est trop vite. J'ai pas du tout contrôlé son galop. Je suis trop nulle à ce jeu en fait. Mais je vous l'ai dit, j'ai aucun skill. Much later. Je crois que j'ai raté. J'ai raté le parcours. Voilà. Ah non, leçon complète. Il a dit leçon complète, moi ça me va. Attends, parce que du coup, est-ce que c'est écrit que j'ai complètement raté? Il est écrit que j'ai participé. Eh bien, essayons la dernière leçon et nous allons nous quitter là-dessus. Et puis, peut-être je vous ferai une vidéo où j'essaierai de compléter les trois là de façon mieux. Ok, on va être sur du dressage. Donc c'est une petite arène de dressage. Ah, on fait une diagonale. Un petit cercle, enfin la volte quoi. Ok. Hop là. Ah, bah c'est fini. La leçon est complétée. Et on va se mettre du coup en cavalière pour faire cette outro. Donc j'espère que cet épisode vous a plu et que ce jeu vous a plu car nous sommes arrivés à la fin des tutos. En tout cas, sur ce, on va s'arrêter là-dessus. C'était Lua. Bye!